Et bien salut tout le monde, c'est Xvisca, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur AC Valhalla. Bon, tu veux bien prendre le commandement? Allez. Est-ce qu'on va avoir mes hommes ou pas? Et lol. On voulait bien avancer. Si je fais suivre... Impossible de hisser la voile ici. Oui, ça j'avais compris. J'avais compris, puis bon. Allez, hissez la toile. Allez! Tringir! Ah. Lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur! La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Tjodve! La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère! Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille! En ce jour, nous allons priver Tjodve de notre faule. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se répétera de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux ces îles. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route. Mais c'est toi qui nous mènera. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Styrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Chantez, mes corbeaux. On me raconte une histoire. Vous ai-je déjà raconté la fois où j'ai tué tout un clan avec seulement la garde d'une épée brisée? Trop souvent, Dag. Plus de fois qu'on ne peut les compter. Préparez-vous! Appelez la Les corbeaux s'emparent de notre pôle pour Baston! Quick! Ah, un petit peu de baston, ça m'avait manqué. J'arrive, on m'attaque dans le cul. Allez, venez vous battre là! Wow, c'était quoi ça? Allez hop! Eh ben dis donc, t'es sûr que c'est une attaque étourdissante ça? Eh merde, on essaie. Ah merde, je vais prendre feu! Ils sont où ces enfoirés là? Ils sont où là? Ah bordel! Wow! C'était quoi ça? Il se passait quoi sur la caméra? Attendez un instant. Je crois qu'il y a un moyen de désactiver le tremblement de caméra. Gameplay. Secousse d'écran. Non, je l'ai mis en haut. Bizarre. Bon. Touchez pas aux potes! Sinon, c'est moi qui vais vous niquer! Qu'est-ce que t'as, toi, hein? Eh bien, je brûle! Joli cimetière, monsieur. Bon, alors. Est-ce qu'il y a de la bonne ressource dans le coin? Oui, il y a de la ressource dans le coin. Ah, je peux pas ouvrir comme ça, d'accord. Ah bah, je suis déception. Rien, j'y arrive, il faut de la ressource. C'est primordial. Hop. Ah, c'est même pas une porte. What? Comment ils font pour venir alors? Détruis ces chariots! Quel chariot? Eivor!
Oui, oui, c'est bon, j'y vais. Il est où le chariot encore? C'est bon, ta gueule! Alors, les chariots. Oui, c'est bon, on a compris, oh! Eivor, j'adore de Dior! Pouah! Ah, ce lance, c'est minable! Yep! Rien fait. Voilà! Bonjour! Saleté de mouton! T'as cru que j'étais un mouton, wesh? Hein? Bim, je te piétine, problème, bitch. T'avais aucune chance, ma Lucette. Ah putain, il y a des compétences là-haut. Protéger. Bleh. Wow. C'est pas. Non. Mais non, je voulais le. Là, là. Non, ce cuir est tout neuf. Là-bas, c'est là-bas que je vais aller. Ce doit être bloqué depuis l'autre côté. Voilà. J'ai dû savoir. C'est quoi que j'ai eu? Fureur de la hache. Alors. Affecté. Ça serait quand même con de partir sans ça, quoi. Bon. Et où, mon petit Sigurde? Ok, j'ai de l'argent gratis, comme ça, sans prévenir. J'aime bien ce jeu. Si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, ce serait pas mal. Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le-lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était dans cela son plan. Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi? As-tu un intérêt dans cette guerre? Cette guerre entre le clan de Kjotve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kjotve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix. Et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers. Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix, et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve,
Accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Elle aura pas duré longtemps cette guerre, hein. Encore 2 points de compétence, mais dis donc, le jeu t'est bien généreux, qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux aller par là-bas. Dégâts critiques, réduction des dégâts de toutes les attaques puissantes et ennemies. Ah, pas mal ça. Je sais pas, est-ce que je vais par là? Enfin déjà, je vais peut-être prendre les deux, au moins finir ici, parce que ça va m'indiquer ce que je pourrais avoir de l'autre côté. Alors, ah, j'avais pas remarqué que c'était les symboles ici. Dégâts de... Ah, les dégâts en passe, pas trop mal. Ah, ça doit être les armes lourdes. Par contre, je vois pas tellement l'intérêt de changer d'arme de main, à part utiliser la compétence qui est liée à l'arme. Bon, allez! Faut monter, c'est ça? Comme d'habitude, je prends le chemin le plus chiant. Ah, il y a des copains, nos copains à côté là. Nos copains, les assassins. Allez! Tu as raté quelque chose, Eivor! Le campement avancé de Kyotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle ? Qu'Eivor puisse défier Kyotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kyotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kyotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kyotve. Bien dit, ma scalde guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange, car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kyotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kyotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que...
Ceux qu'on ne voit pas. Mais Kyotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kyotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Me revient, Kyotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Je demande à Homgeng, ici, contre le briseur de serments. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Ah ! Oula. Attendez. Il y a un souci technique là, je crois. Bon, allez, baston time. Tu es aussi faible que ton avorton de père. T'as dit quoi, enculé ? Alors, faut peut-être pas déconner non plus. On va en faire un petit peu mieux, mon gros. C'est quoi son point faible? C'est tout? Il se barre déjà? Non, il a pris ses haches. Waouh! Oh merde! Pas prévu ça par contre. Allez! Waouh! Wow. T'as aucune chance, gros, abandonne! Et hop là, tiens, bouffe. Quoi? Depuis qu'on est dans la zone ici, j'ai l'impression qu'il y a des... Hey gros, tu veux te la redonner? Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin ? Que veux-tu de moi ? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort.
toi, c'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de trois générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Oh! Du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm. Sa dette est payée. Ouvrez les portes et vous serez épargnés. Crève, ami des loups. Archer, encochez. Corbeau, pas de pitié. Archer, tirez! Archer, tirez! Mais putain, je peux jamais sauvegarder dans ce foutu jeu ou quoi? Désolé, je vais arrêter là parce que. Il va falloir que je fasse un petit peu de checking, hein. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu des freezes dans les cinématiques, donc. On va peut-être checker un petit peu ça, je pense. Ce qui est assez hallucinant d'ailleurs, parce que bon, ça devrait pas arriver logiquement. Donc je vais checker un petit peu d'où ça vient. Bon, voilà, donc je m'excuse pour la longueur de cet épisode. Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire des épisodes aussi courts. Et malheureusement, apparemment, il va falloir que je fasse quelques recherches. Bon, allez, encore désolé Loulou. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir là. Attitude, comme des jeux beaucoup. Donc, quoi, ta chanson, quoi, c'est l'Irex, quoi, c'est le dicton. Je vous laisse, je fais de l'info partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Tchaba et Wouti Wouti et Calamour du Peignosogou. Peace!